Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Enyo 2, c'est la 26e vidéo. Et on va attaquer la mission Crépuscule sur le mont Tenno. Mais avant on va voir, pour essayer de développer un petit peu le perso. Donc on a des niveaux à choper, j'ai refarmé entre les deux vidéos. J'ai pas mal fait le stage que je vous remontrerai après. On va prendre les titres. Il n'y en a pas énormément. Celui-là, oui. Recharge d'anima, oui. Amrita obtenu, oui. Alors, les suivants, on en a deux. Elixir, voilà. On développe tout doucement, donc c'est très bien. On va aller voir les compétences. Alors, samouraï, parce que là on a quand même pas mal à prendre. Augmente les dégâts de l'arc, voilà. Dégâts de l'arquebuse. Ça mange pas de pain. Le nombre de balles pouvant être portées. Voilà. Augmente les dégâts infligés par des attaques à main nue. Main nue, on n'utilise pas. Une esquive parfaite déclenchera automatiquement la pulsion de ki. Posture basse. Pourquoi pas? Augmente la quantité de maximum de ki pouvant être restauré. Pas mal. Confère un boost de dégâts basé sur votre cœur à certaines compétences actives. Pourquoi pas? Allez. Hybride. Hybride, hybride. Donc là, c'est plus nous, là. Augmente les dégâts infligés par votre prochaine capacité si t'as un contre explosif réussi. Monte votre anima maximum. Ah oui! Anima, très important, voilà. Je reste dans le basique. La magie. La magie, je sais pas quoi faire. Pour l'instant, la magie, on laisse. Le tonfa, on n'a pas encore les mystiques. Augmente les dégâts de mêlée 5%. Réalise une garde juste avant que le coup ne porte. Ah oui, pas mal ça. Pas mal. Enchaîne un combo avec une frappe de 2 tonfa. Ouais non, ça j'utiliserai pas. Ah ouais, augmente le QI. Ah, faut celui-là avant. Bon, bon, on va développer encore les points. Donc voilà, la magie on verra plus tard, le nujitsu aussi. Le glaive. Voilà, on a débloqué quelques petits trucs sympas. Bon, on est bien. On prendra les niveaux au début du stage. Eh ben parfait. Allez. Donc on va aller attaquer le crépuscule sur le mont Tenno. Ah, tain, j'adore celui-là. Il est dur mais il est très bien. Allez, c'est parti.
Enfin, je l'adore. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça se trouve, je vais me faire découper en lamelles. Peut-être que je reprenne mon onibi feu, d'ailleurs. Parce que j'avais gardé l'onibi foudre. C'est vrai que l'onibi feu pourrait faire peut-être plus de dégâts. Donc je vais peut-être reprendre l'onibi feu. ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。 答えよ、トシミツ。 霊石をどこへやった? Ok. Eh ben ça nous joue. C'est parti. Alors. Clan de Roi là, ouais, je disais que je l'aime bien. Mais il est quand même dur. Hein. C'est... Il y a des super beaux endroits dans ce stage. Alors, on va. Donc j'avais fait un peu de tri avant de commencer la vidéo. On va déjà reprendre un niveau. On va reprendre un niveau de magie. Voilà. Noyau d'âme. J'en ai pareil, faut que je fasse le tri. Libio-rage, non c'est pas celui-ci que je veux. Oh moi que je garde l'orage pour l'instant, c'est lequel que j'ai de... Oh bah je vais prendre l'orage mais en plus... Voilà. Voilà. Il faut que je changerai plus tard, mais l'orage il est pas mal parce que ça ralentit pas mal. Alors j'ai un tonfa qui insère la pureté. Donc on a pris quelques petites compétences en plus pour le tonfa, dont des compétences qui augmentent les dégâts par rapport à la légèreté de l'équipement. Et on a un équipement qui est très léger donc ça peut nous servir. J'attends d'avoir impatiemment d'avoir la compétence mystique qui multiplie la puissance des coups selon les combos. Au fur et à mesure qu'on fait... plus on tape, plus on fait mal en fait. Pour être clair. Alors. Voilà. Donc ici, il faut faire quand même attention. Car il y a pas mal de... Ils sont pas spécialement durs. Mais ils peuvent être chiants. Voilà. Donc il est remonté. Il doit me chercher. Ah, il est redescendu. Méfier, voilà, ça. Voilà. Radio. Il avait les poches pleines, le monsieur. Alors, lui. Voilà. Notre arc est pas mal. Hein. Je vais sélectionner un nouvel arc. Donc j'ai gagné, j'ai pas mal farmé. J'ai gagné beaucoup de d'armes, d'équipements que j'ai revendus. J'ai farmé dans le stage que j'ai montré dans les vidéos précédentes où il y a les deux mini-boss, les deux énormes chevaux. Donc ce stage-là, je vous le conseille.
En plus, il se fait bien. On peut gagner pas mal d'XP quand même. Donc c'est cool. On peut gagner de l'XP, on peut gagner pas mal d'équipements. J'ai gagné plein de tonfa différents. Alors, Nibiorage, confusion. Voilà. Et un Oyodam. On voit qu'il y a un petit Kodoma juste ici. Ah oui, j'ai gagné un tonfa enflammé. Tonfa des dragons doubles. Donc j'en ai un qui est avec des petites caractéristiques sympas en plus du feu. Alors là, faire gaffe aux yeux. Elle peut nous paralyser. Et avec de la chance, j'ai gagné un noyau. Alors, pour l'instant, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est ce qu'il me semblait. Ah, c'est fermé. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, on a déjà fait une belle petite zone. On a nettoyé. Donc j'en profite, comme d'habitude, quasiment à chaque vidéo, de passer un petit bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci aux nouveaux abonnés, à tous les potos qui me suivent depuis le début. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans les commentaires, dans vos vidéos, dans mes vidéos, etc. Alors là, je sais plus où il faut passer. Je crois qu'il faut se laisser tomber quelque part. Et lui, il est vilain. Lui, il est pas beau. Mais j'ai l'impression que le tonfa fait plus mal quand même. Ah, il est mort déjà? Ah d'accord. J'ai bouffé J'ai bouffé de la barre de magie pour rien du coup. C'est pas grave. Ah, un nouveau Comment? Nouvelle arquebuse. Oh, bah alors. Alors. Je crois qu'ici il y a quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'on a débloquer à un coup posture moyenne, c'est vrai. Donc là, on a un petit Kodoma. On va débloquer le raccourci qui est débloqué. Du coup, oui, j'ai gardé l'Onibi Orage. Dans les vidéos précédentes, enfin, pas dans les vidéos précédentes, dans mes parties précédentes que j'ai fait hors vidéo, j'ai farmé un petit peu un stage qui. Où il y a beaucoup d'Onibi, j'ai pas réussi à avoir un feu, j'ai eu plein d'orages mais pas de feu, j'ai dégoûté. Il y a les trois types d'Onibi qu'on peut farmer. Pourtant j'ai recommencé plusieurs fois mais je n'ai pas eu de chance. Alors, ici. Voilà, lui il nous embête pas. Notre arc est pas mal hein, quand même là. Alors là je crois qu'on va rencontrer un nouveau type de yokai. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, il a pas eu le temps de bouger. Du coup, je lui ai mis la confusion. On a gagné un nouveau tonfa. Tonfa en fer, je sais pas ce que c'est. Voilà, parfait. Parfait. J'ai chopé quand même pas mal de niveaux, donc je sens que je suis plus fort. On est au niveau... je crois qu'on est au niveau 100. Alors là, on a un petit copain. Je sais plus comment on y
Je sais plus, j'ai un doute. Là, il y en a un ici, de sûr. Voilà. Mais ici... Oh ben, tout simplement. Voilà. J'ai failli passer à côté comme un idiot. J'étais persuadé qu'il fallait se laisser tomber, mais c'était le deuxième. Alors. Normalement, nous avons fait le tour. Je sais pas s'il n'y a pas une échelle à faire descendre. Ah, je vais le faire quand même. On ne sait jamais si je viens à perdre. Parce que le passage plus loin, il est assez dur, je crois. Après, c'est vrai que là, je suis... J'ai quand même... Par rapport à quelqu'un qui découvrirait le jeu, j'ai quand même certains avantages que je connais bien le jeu. Parce que quand je me lancerai dans un jeu que je ne connais pas, je pense que mon let's play sera beaucoup plus compliqué. Même si ce jeu-là est quand même très dur. Mais je m'aventure en terrain connu quand même. Flèche sacrée. Alors on va lui mettre bien sa misère. Ah ! C'est lui qui me l'a mis ! Voilà. Non ! Oh non ! Ah bah j'ai bien fait. Dégoûté. Voilà encore un exemple. Comme quoi, dans une Nioh 2, il faut jamais penser qu'on a gagné. Ah ! On va prendre l'arquebuse. On lui a essayé de le terminer. Voilà. Déjà, avec lui en moins... ça sera quand même plus facile. Parce qu'en fait, ils ont un pouvoir supplémentaire. C'est qui me tire dessus, mais il m'agace. Il faut arriver à briser ça. Voilà. Et là, on est tranquille. En plus, il y a une copine là. Ah, ils sont coriaces quand même. Ils ont la peau dure, hein. Bon, toi, je sais plus où t'es. Mais t'es là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas vu, lui. Lui, depuis le début, il me tire dessus. Je l'ai même pas vu. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit passage là-haut, là. S'il n'y a pas un petit Kodoma, en plus. Haute. Taper un petit peu plus fort. Donc là, on a un Kodoma magique. Qu'est-ce qu'on va lui donner à lui? Un glaive, tiens. Toi, t'es pas belle. Oh!
Oh là 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 là. Mon serpent m'a encore sauvé la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une hache. Fruit de la lanterne, ouais, ça a été sympa. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit Kodoma ici. Non, il est là-haut. Très bien. Ça va mettre en posture moyenne. Kodoma, on a déjà eu deux. Deux petits bébés Kodoma. Eh ben il est là. Voilà. Il est là le Kiki. Or 3. Voilà. Nous allons pouvoir continuer. Donc c'est ici. Je crois qu'il y a un petit passage. Donc on a un Kodoma là à récupérer tout de suite. Voilà, là. Moi je me rends compte que j'ai oublié ceci. Ça mange pas de pain. Hop là, au contraire. Alors le passage là, si je me rappelle bien, il est quand même sympa. Ouais. Donc là on a un Kodoma. Le but c'est déjà activer. D'activer, pardon. Notre hôtel. Ça, si on vient à perdre, on revient ici. Parce que l'endroit là, il est quand même show time. Il est show time. Alors. Donc c'est une belle rizière, je trouve ça super sympa moi. Ok. Il va falloir faire des choix. Loupé. Yeah. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, j'y vais un peu à la déloyale. Mais j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, si tous ceux que j'ai tués me seraient tombés dessus, je pense que j'aurais morflé. Voilà. Très bien. Ok, donc des belles rizières, hein. Je trouve ça super sympa comme, comme décor. Alors là, est-ce qu'on peut avoir celui-ci? Il s'arrête. Non, pas les mes flèches sacrées, s'il vous plaît. Non. Je reviens ici, je suis allé trop vite. Oh non, ça veut pas. Voilà. Je récupère un peu mes bêtises. J'ai utilisé 50 flèches une derrière l'autre, pour rien. Alors, là je sais plus s'il y a quelqu'un. Donc on récupère les items. Je fais un peu toutes les plateformes parce que je ne sais plus si dans le coin il y a un petit Kodoma ou pas. Alors. Ça va, je me débrouille. Ça va. Alors. Franchement, je pensais pas que j'allais passer l'endroit là aussi facile. Donc il y a lui là qui est chiant. Il nous a pas vu. Pourtant on fait du bruit. Hein. Donc on a un petit Kodoma à récupérer. Non. Voilà. Hop. Une boucherie.
Voilà. Allez. Voilà. Ils ont pas le temps de respirer. On reprend une petite élixir. Posture moyenne. Regarde dans la maison. On entend un petit codoma. Ça fait 4, on en a récupéré plus bas. On a déjà quand même pas mal avancé. Voilà, on va passer par ici. Ah, je crois que j'ai fait l'idiot. Ah, c'est pas grave. J'aurais dû ouvrir la porte avant. C'est pas grave. On va récupérer le bébé. Voilà. Et 2, 5. Alors, on repart. Le soleil, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est le genre de paysage comme dans certains paysages dans Sekiro que j'adore. C'est vraiment top. Alors. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas mal, franchement. Là, je crois qu'il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Porte qu'on n'avait pas ouverte. Et là, donc je regarde le temps. Pour pas qu'on se fasse avoir. Ouais, ça va. Ça va. On avance bien. Alors, ici. Si je me rappelle bien. Il faut faire attention. On va déjà tuer les gardes. Et on va faire les filous, on va passer par le bas. On reviendra en haut après. On va venir ici. Et en plus, je crois qu'on a un petit bébé Kodoma. Voilà. Équipement. J'ai vu qu'ici, j'avais taillissement anti-feu. J'aurais dû prendre plus de d'amulettes. Je crois que je change. Voilà, prends les fruits de la lanterne. En précaution. Donc là, ça doit être en hauteur, le petit Kodoma. Ici. Je tente, non. Me faire ça va, j'ai eu de la chance et beaucoup de chance parce que là j'étais en train de me faire envoûter par un moine. Les piliers là, enfin tuer, casser, pardon. Voilà. Et je sais pas si ça va pas. Ah, une mèche de mage. Faut que je développe la magie. J'ai 23 points de magie. Beaucoup avec la mèche. Mmh.
peu vite là. Je suis allé un peu vite. Ça, c'est des coups à se faire tuer, ça. Non, on peut pas ouvrir maintenant, c'est vrai. C'est vraiment des coups à mourir parce que je. Je vais vite parce que ça avance bien et en fait, c'est là que tu te fais avoir. On va déjà faire le tour de tout. On vient d'ici, ok. On vient d'ici, on est passé là. Je suis désolé, j'ai un peu la gorge. Et ben voilà. Ah ouais, faut s'en méfier. Ils ont pas l'air bien méchants comme ça, mais ils font mal. Alors, qu'est-ce que le petit copain il va nous donner? Alors, on va laisser une lance. Ouais, non. Franchement, là, il nous a arnaqué, là. Alors. Si on vient ici... Donc, on atterrit. Je sais plus. Normalement, il y a un petit Kodoma. Il doit être pas loin. On l'entend. Il est encore plus haut. On va faire le ménage au fur et à mesure. Flèche, j'ai de la flèche. Je sais pas si on peut ouvrir la porte. Non, elle s'ouvre de l'autre côté. Ok. On monte à l'étage. On va monter doucement. Mais il est où? Ah, c'est à l'extérieur, je crois. Voilà. Il fait mal, lui. Voilà. Ok. On s'en est quand même pas trop mal sorti. Ça m'agace de l'entendre et de pas le voir. J'entends le petit Kodoma. Ah. Mais oui. Il est là. Mais oui. Il est là, le bébé. Alors, est-ce que je peux atterrir ici? Non. Est-ce que je peux prendre de l'avance? Oui. Rien à récupérer ici. Et en plus, j'ai gagné un noyau d'or. Donc. Ok. Bon, on va utiliser la magie. Hein. On va déjà le ralentir. C'est quand même assez rapide. Voilà. Non, pas loin. Voilà. Allez. Vive la magie. On prend un petit matou avec nous. Très bien. Donc j'espère trouver bientôt une armure un peu plus qui corresponde à mon niveau. Le même style. Même là, même en plus puissant, ce serait pas mal. Toute légère avec des bons petits atouts qui vont bien. Alors, je crois tout simplement. Donc
ici on peut pas ouvrir je crois. Non. Ils sont malins. Ils sont malins. Non plus ? Ah si. C'est ce qu'il me semblait. Donc là on peut retomber en bas, enfin redescendre en bas. Enfin c'est mieux quand on descend en bas. En fait elle est pas mal la petite technique de garde là. Ouais non. Ça fait pas assez mal. J'ai rien dit. Ça fait pas assez mal. Ok. Oulala. Oulala. M'a suivi lui ? Non. Ok. Allez, on va imprégner l'arme. On récupère en même temps des petits items à droite à gauche. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est quoi ? Mais ils sont fous. Ok. Très bien. Alors, à partir d'ici, ce qu'on peut faire. Ouvrir les portes. Parce que si on vient à perdre, on sera bien content d'avoir ouvert les raccourcis quand même. Parce que là, c'est un passage assez chiant. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, du coup je... Ah ça va peut-être faire beaucoup en une seule vidéo. Timing. Ah. Pas les laisser faut pas les laisser respirer quoi. Alors ici c'est ouais, ici c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Non, oh là là, oh, je bouffe mes flèches voilà. Familiarité de fusil, voilà. On approche du boss. Donc, on va descendre là. On aura vraiment tout fait. Donc là, il y a une copine. Serpent contre serpent, c'est moi qui ai gagné. Alors, hop. On a bientôt un niveau, si tout va bien. Je vous conseille de... Si vous faites le jeu, vous regardez ma vidéo, faites-le dans le sens que je le fais là. Sera beaucoup plus simple. Là ici n'y allez pas trop vite, sinon tout le monde, ils sont 4 à vous tirer dessus.
Ça risque d'être vite compliqué. Alors. Régiste. Faut descendre là. On ouvre le raccourci, pardon, on défait le raccourci, n'importe quoi. Et ici, il faut aller là. Là, il n'y a rien. C'est de là qu'on vient, voilà. Donc là, c'est la porte, la grande porte qu'on a été bloqué au début de la zone. Puis on va essayer de se le fumer. Ouah ! Ça commence très mal. Ça commence très très mal. Ah mais on le voit même pas. Voilà. Ouh là là, c'était beau ça. Il faut péter les piliers. Ça va faiblir la... En fait, ça va faiblir la zone en haut. La zone qui était voilée. Voilà. Si on fait pas ça, c'est très compliqué en haut. On entend des bruits un peu bizarres. Là, on rouvre un raccourci. Là, on a un bain, une source chaude. Très bien. On remonte. Allez. Voici notre hôtel à Kodoma. Donc on va arrêter la vidéo ici. Et prochaine vidéo, on termine ce stage. On verra pour faire une petite, un petit stage optionnel où je verrai. Donc voilà. On arrête là pour l'instant. Allez, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite.